prend conscience de qui côté nous est et qui côté nous voulons aller. Problème ancêtre yo te gagné, c'est que yo pas te reconnaître yo comme moun. Yo organisé tête yo. Yo levé défi. Yo te fait devoir. Est-ce que nous fait devoir pas nous jodi? Ça nous fait ak héritage ça. Femme à garçon vaillant. Petite 1804 pas capable la vérité. Petite 1804 pas doué peur la vérité. M'a dit en vérité. En vérité côté nation y est là. Li pas arrêter la donne. Côté nous y est là. Pas semblé avec nous. C'est pas place nous. Côté nous y est là. C'est pas ça. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, Capo à la mort, Gaba, Macadieu, t'es vle pour payer. C'est pas pour ça. Yo t'es sacrifié tête yo. Rêve la fait trop longtemps dans impasse. Chire pit la, jalousie, division. Nous ne pouvons pas continuer là-dedans encore. La vie ici dormit trop longtemps dans le cafou. La vie ici dormit trop longtemps dans le cafou dangereux. Misère, division, corruption, insécurité. Là, il était quoi trop longtemps dans la société. Ennemi en jodia. Ennemi nous jodia, c'est nous-mêmes. Même. C'est dans le temps nous liés. C'est en dedans qu'est nous. Lié, c'est parce que souvent nous pas voulu respecter les règles. C'est parce que souvent nous pas voulu respecter frère, sœur qui bon côté. C'est parce que souvent nous pas voulu respecter Jean l'autre monde pensé, monde qui bon côté. C'est parce que souvent nous pas voulu respecter la loi. Héritage là menacé. Qui ça nous décide de faire avec le pays? Est-ce que nous prêts pour nous lever nouveaux défis? Est-ce que nous déterminés pour faire pays nous? Économie pays nous émerger? Est-ce que nous prenons conscience, nous analyser erreur, faute nous fait qui conduit pays à un mauvais chemin? Est-ce que nous prenons conscience que nous devons changer route? Mettez un point final dans le mauvais choix politique public. Est-ce que nous prenons conscience que Haïti c'est un bien collectif? Un bien nous devons faire prospérer pour nous transmettre petit nous à petit nous. Jodia, 214 l'année après, cloche la sonné pour nous bailler bon genre réponse à la question. L'île pour chaque grain haïtien. Parce que nous tous concernés participer dans un grand combat national pour croissance et développement pays. Même Jean nous dit, construction route dans le pays, ce n'est pas affaire gouvernement seulement. Construction barrage irrigation dans le pays, ce n'est pas affaire gouvernement seulement. Zafem était lumière 24 sur 24 dans le pays, ce n'est pas affaire gouvernement seulement. Zafè met l'eau dans le robinet Kaimoun, ce n'est pas affaire gouvernement seulement. Zafè combattre la corruption, ce n'est pas affaire gouvernement seulement. C'est affaire nous toutes, c'est affaire tout haïtien. L'union qui fait force 1804 dans la bataille contre l'esclavage et la colonisation, nous devons faire revivre pour nous mener une bataille contre tout ça qui bloquait nous sur route développement. Pour qu'à permettre la démocratie bourgeonner, tout bon vrai. C'est l'être tout citoyen, quel que soit côté à vivre dans le pays, a le même droit et comprendre tout que y a des devoirs. Que le pays a vint libérer tout bon vrai, c'est l'être à réaliser rêves ancêtres. Haïti a libéré tout bon vrai, c'est l'être nous décider de changer mentalité ensemble. Même Jean Jodia. Dans la ville Gonaïve, magistrat ville ça,
les papi gros magistrat que magistrat ville au Capio, magistrat ville ça, les papi gros magistrat que magistrat ville Port-au-Prince, magistrat ville ça, papi gros magistrat que magistrat dans l'autre ville dans pays a. Et pourtant, gonaïve propre, gonaïve belle, gonaïve semblant côté qui fait vivre. Pour un pile raison qu'on traîne sur route, mais peuple pas qu'on perdit dans route. Quant à peuple haïtien, nous connaît force courage li, force résistance li. Si y a échec, si y a faillite, c'est nous-mêmes, élite pays là, élite économique là, élite politique là, élite intellectuelle là. Leader ak dirigeant qui porte responsabilité. Jodi al soudom. Je prends charge, je fais mes accoules papa. Je pare pour me faire route, pour me changer. Même pas faire pour compte. Je besoin chaque grenadien. Je besoin chaque monde qui travaille dans l'État depuis octobre pour arriver jusqu'à ministre, jusqu'à premier ministre. Je besoin chaque grand policier depuis agent 1 arriver jusqu'à commandant, directeur général police. Je besoin tout militaire. Depuis soldat pour arriver jusqu'à lieutenant général. Je besoin de tout parlementaire, ni ça qui est en opposition radicale, ni ça qui est en opposition simple, ni ça qui a machaque moi, pour nous changer le pays. Je besoin de parti politique qui est en opposition. Parti politique, tout ça, gouvernement fait qui n'est pas bon. Yo, well, pas bon. Moi, besoin. Je dis à Haïti bouquet. Nous bouquet. Parce que, pep sa résilience li la privé non point li pap ka continuer pep sa bouke jodi a pep haïtien nous te fait devoir nous mette campé yon démocratie yon constitution démocratique dans élection 2016 nous fait confiance nous bam yon mandat 5 ans pour me travailler pour nous pour me changer condition la vie nous votons. Nous votons programme. M'a avancé. M'a travaillé pour satisfaire besoin nous dans domaine social, politique, économique et culturel. M'a avancé. Moi j'en t'ai toujours dit. Moi t'ai toujours dit je diable nous comprendre. L'homme te dit m'pap fait bac devant la misère. M'pap fait bac devant l'indignité. Je ne peux pas faire bac devant la lutte contre la corruption. Je ne peux pas faire bac devant le changement de mentalité. Mentalité ça que nous avons besoin de changer. Qui pour permettre à Haïti aller sur route de développement tout bon vrai. L'ordre constitutionnel, principe avec mécanisme constitutionnel, m'a pour me faire respecter ma loi pays. Assurer bon fonctionnement institution l'État. Peuple là, pas voter un citoyen président pour servir intérêt personnel pâle ou intérêt petit groupe moun pâle. Mais vle pour tout moun comprendre que jodi a gagne une volonté qui dans tête l'État haïtien cap travaille pour affaire République de Port-au-Prince là pour tout bagaille. C'est Port-au-Prince seulement les concentrer pour ça fini. Pour que nous avons une ville Port-au-Prince qui est propre, une ville Port-au-Prince qui est belle, tout, une ville Port-au-Prince qui est assemblée avec toute notre gros capital sous la terre. Mais pour le fait, il faut nous-mêmes, je dis, dans la mentalité, nous connaissons que tout reste pays à compter. Parce que l'exemple 2010, là, tremblement de terre 2010, avion, c'est dans notre pays où tu descends. Parce que pas bien l'autre aéroport t'es capable de recevoir avion. C'est exemple qui pour montrer nous que reste pays a besoin de développement. Et faut m'a fait dans quatre coins pays a pour éviter développement force côté pour tout le monde qui vivre dans la dignité la caille pour rejoindre bon gens l'école pour petit yo pour gain travail pour nous valoriser bien moun yo. Bien tout le monde gagne tout côté dans le pays.
Moi, je veux que tout secteur comprenne. Base démocratie, c'est pluralisme politique, c'est dialogue, c'est concertation. Moi, je veux tout le monde comprenne. Démocratie sous gouvernance PAM a garanti équilibre droit pouvoir. Yon ne peut jamais marcher sous pied l'autre. Pas gen yon pouvoir entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire pour yon marcher sous pied l'autre. Yon démocratie durable vle di route la paix, l'ordre pour satisfaire besoin prioritaire population et créer conditions pour croissance et développement établi dans le pays. Sem ak fwèm. C'est détermination, c'est conviction, c'est honneur et respect pour le peuple qui fait 1804. Nous apprenons une leçon. Nous prêts pour construire une démocratie durable. Nous prêts pour mesi institutionnelle, mesi politique qui allait dans le sens consolidation démocratique là. Nous prêts pour nous prendre mesi ça. C'est comme ça. N'ap travail en pile pour protéger l'environnement, augmenter et diversifier production nationale. Lité sans merci. Lité sans fausse côté contre corruption. Réduit inégalité sociale. Gouvernement nan ap travail pour Haïti en 2030 entrer dans l'émergence économique et sociale. Dans l'idée ça, dans l'objectif ça, gouvernement a lancé caravane changement, c'est un moteur qui en marche. Caravane changement, c'est pour un programme politique. C'est un rassemblement. C'est un message qui invite nous toutes pour mettre ensemble, relever agriculture, travail pour un état de droit, une économie de progrès, une société stable. Gros ambition caravane, non, c'est mettre ensemble terre, rivière, soleil, avec femmes et garçons pour améliorer les conditions de la vie population dans toute commune et section communale, dans tout département pays d'Haïti. Caravane changement, c'est un dialogue entre frais accès ici et la diaspora pour Haïti produire richesse, créer job, mobiliser moyens et compétences pour lever défis sur route développement. Caravane, c'est moteur un élan collectif pour rallier tout secteur, tout monde de bonne foi, tout haïtien conséquent dans lutte pour yon lot Haïti. Sans exclusion, sans passe pour qui. C'est même conviction ça. C'est même souci pour consolider institution, assurer stabilité, respecter constitution qui peut remobiliser l'armée d'Haïti. La papier projet de développement, la baisse sécurité à appui technique, l'armée a servi pays. La répondre tradition avec l'esprit civique qui te fait l'union, fait la force. Service dans l'armée, service dans la police, c'est travail pour encadrer le peuple, protéger, veiller sur bien-être avec la ville. Parce que l'armée d'Haïti précède nation. Route, ancêtres, yo tracel, yo l'ouvre porte là pour nous. Yo ban nous. Clé croissance et développement. Valet l'union, valet courage, valet justice, valet générosité, valet solidarité. Ça nous ramasse dans un mauvais moment, division. Cloche la sonne pour nous mettre sous côté. Cloche la sonne pour nous dire oui, a besoin de changement, peuple a mandé. Cloche la sonne pour créer conditions pour nous vivre ensemble, pour mettre en valeur héritage ancêtre bon nous, pour changer conditions la vie dans le pays d'Haïti, pour améliorer conditions la vie peuple là, faut que nous ayons l'état fort et responsable, une administration publique compétente et moderne, faut que nous élaborer des politiques publiques qui capables
favoriser, créer conditions pour investissement, favoriser croissance et développement. C'est pour ça, nous, dans les affaires, prend monde dans l'administration publique là aujourd'hui. Nous commençons avec jeunes garçons, avec jeunes femmes qui connaissent bien dans le pays. Faire concours pour eux, pour intégrer l'administration publique là. Frère Axem, ça fait 214 l'année. Ancêtres yo mette nan men nou responsabilité yon pays. Ça fait 214 l'année. Symbole liberté ak émancipation l'humanité sous responsabilité. Charge la lou. Défi yo en pile. Mais pour yon peuple, pour dirigeants qui comprennent et fidèles à leçon ancêtres yo, à universalité 1804, pas gen obstacle qui karete yo sou route développement ak stabilité. Dans l'esprit ça, m'ap di nou yon l'autre fois encore, c'est un devoir pour nous tous ensemble renouveler serment qui te permettent ancêtres nous fonder nation. L'union fait la force. L'union fait la force là pour croissance et développement. L'union fait la force pour garantir stabilité politique et sociale. L'union fait la force pour assurer pluralisme politique. L'union fait la force pour construire une démocratie durable dans l'ordre, la paix et la fraternité. Mesdames, messieurs, peuple haïtien, ce qui peut nous rassembler n'est plus seulement notre passé réel ou fantasmé, ni non plus une vague idée que nous sommes un même peuple et que nous habitons un même pays. Ce qui va nous rassembler désormais, c'est ce que nous cherchons ensemble. Ce que nous voulons faire ensemble, c'est ce que nous croyons ensemble. C'est à cette tâche que les aïeux nous invitent aujourd'hui pour redonner sens à leur sacrifice, revaloriser cet héritage qu'ils nous ont légué et que nous devons transmettre à nos enfants et nos petits-enfants dans de bonnes et de meilleures conditions. C'est pour construire cette croyance supérieure qui va cimenter la société, la fortifier, que nous lançons les états généraux sectoriels de la nation après les consultations de tous les secteurs de la vie nationale au cours des trois derniers mois. Grâce à ces assises, nous recueillerons les témoignages, nous trouverons le chemin critique qui nous permettra d'arriver à la volonté de faire route ensemble. Faire route ensemble pour une société, c'est apprendre à s'auto-limiter pour se donner les moyens de contenir la démesure, les pulsions destructrices qui bouillonnent dans l'inconscience de toute communauté humaine. Faire route ensemble, c'est admettre qu'une loi commune est nécessaire. C'est convenir que l'on ne peut pas faire n'importe quoi. Seule une croyance partagée permet de contenir les dérives populistes, démagogiques, tyranniques, qu'elles viennent du dehors ou du dedans. Car il est clair, comme les trois dernières décennies nous ont fait faire l'amère expérience, ne pas s'imposer des limites, récuser ou vouloir s'affranchir de toute tradition, c'est se situer dans le vide, c'est se désagréger tout simplement. Le temps de la rupture est arrivé. Soyons toutes et tous les dignes fils et fils de 1804 et engageons-nous, inspirés et éduqués par le courage, la vision et la sagesse des ancêtres à faire les sacrifices qu'il a afin de contribuer au développement durable de la patrie commune et la restauration de la citoyenneté haïtienne. Que le Dieu tutélaire de la nation nous accompagne et nous oriente. Qu'il nous couvre de sa sagesse pour réaliser le grand travail
de relèvement national. Nous tous ensemble, nous mettons main jodi pour nous ça côté nous y est jodi. Nous tous ensemble, nous campé, nous dit l'union fait la force là, c'est lui-même qui pour devise réel pays. Division, pas gain en quel côté que la mène nous. Bonne fête de l'indépendance à tous. Bonne et heureuse année 2018. Je vous remercie.